banquise qui se détache. Mais tout ça, ça nous laisse de glace. On est gouverné par des tâches, pas pour rien que tout est dégueulasse. Macron qui est déjà mis au coin pour la moindre de ses petites phrases. Pas besoin de vous faire un dessin, de toute façon ça déborderait des cases. Bonne année quand même, ça c'est pour vous, hein. Et à l'année prochaine. Et surtout meilleur vœu, si ça pouvait marcher un peu. On sent les trucs déjà à faune, et le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. On s'en sent comme dans Game of Thrones, les scènes où s'empilent les cadavres. On a vu comme Théo Franken a eu son visa pour l'immonde. Et non madame, on ne veut pas qu'on accueille toute la misère du monde. Bonne année quand même. Plus fort, plus fort, plus fort, c'est parti, c'est parti. Meilleurs vœux et tout ça, ça pouvait marcher parfois. On n'entend plus que les coups bas de deux des cœurs à Cavendish. Pour un Sagan qui se relève pas, combien passeront malgré les triches. On s'est trié en costard cravate, donc sur la redevance télé. Pour qu'on marche enfin sur nos pattes, faudrait l'une comme l'autre les zapper. Bonne année quand même, et à l'année prochaine. Meilleurs vœux les enfants, si ça pouvait marcher vraiment. On a donc un PS exsangue aux mains de vampires de compète. Quand un bateau gonflable tangue, on met des rustines ou on le jette. Mais tous les souffleurs au gradin ont gardé des clous dans les poches. Faut beaucoup de beau près des siens pour pas voir que le monde est moche. Bonne année quand même, et à l'année prochaine. Meilleurs vœux et tout ça, ça pouvait marcher parfois. Je cherche une rime en height, mais c'est pas évident, attends. Bonne année quand même, et à l'année prochaine. Tantôt on dira oh what a night, mais merci d'être là sur la playwright. Ouais, j'ai fait mieux déjà, merci infiniment. Alors j'enchaîne avec une chanson, profitez-en, c'est à peu près la seule chanson positive qu'il y aura ce soir. Elle s'appelle Le Journal des Bonnes Nouvelles. Alors c'est aussi un peu une coquille vide, c'est aussi à vous de mettre vos bonnes nouvelles dedans, ça c'est les miennes. Mais profitez-en et puis après on discute de celles que vous auriez mises ou enlevées. Ça va, tout le monde va bien, vous êtes bien mis? Allez, qu'est-ce qu'on est bien quoi, c'est vraiment trop bien d'être là. On disait que c'est nous qui décide et qu'on a ce qu'on veut en un clic. On disait qu'à la fin d'IT, il reste avec nous pour le monde. On disait que franchement Adolphe, c'est juste pas génial comme prénom. On disait que Harry Potter retourne une année à Poudlard. On disait qu'un Mistral gagnant suffit à réveiller Renard. C'est là le marché, ouais. On disait que Michael J. Fox n'a jamais chopé Parkinson. On disait qu'il n'y a plus de cancer et que si bas tu plus personne. Voilà, ça c'est un peu premier, mais tout ça c'est très personnel. Tout le monde aimerait écrire le sien, son petit journal des bonnes nouvelles. On dirait quelque dans les films que l'on voit des tours s'écrouler. On disait que les frères Gallagher étaient enfin ravivochés. On disait que Schwarzy cherchait pas à massacrer Sarah Connor. On disait que tous ceux qu'on aime bien qui sont plus là vivent encore. On disait que Sully retrouve ses jambes quand il revient de Avatar. On disait qu'il n'y a plus de religion mais qu'on peut quand même tous y croire. Putain, c'est là le jour où ça arrive, je fais un maxi quoi. On disait que Michael Jackson sera vrai nouveau l'an prochain. Là aussi, ben je serai vieux, c'est tant du tout. On disait que pour tout le monde, il y a une Amélie Poulain. Voilà, c'était à peu près le mien, mais tout ça, c'est très personnel. Tout le monde devrait écrire le sien, son petit journal des bonnes nouvelles. Voilà, c'était à peu près le mien, mais tout ça, c'est très personnel. Tout le monde devrait en écrire un petit journal des bonnes nouvelles. Merci infiniment. Bien.
Justement, gardez-les. Je vous ai fait deux chansons, ta gueule écoute, parce que bon, on apprend à se connaître et tout, on se déflore. Là, c'est une chanson où j'ai besoin de, que vous gueuliez ce que j'ai sur le cœur. Parce que la casquette Slayer que j'ai, c'est pas uniquement parce que c'est une casquette qui tue. Elle est enfin, j'ai enfin trouvé une casquette pour ma tête. Mais j'en ai discuté avec un chouette gars. Slayer, il râle sur tout, il vomisse tout. Et moi, je suis un peu dans cet état-là. Pour le moment, j'en peux plus de plein de trucs. Et dans cette chanson-ci, j'ai mis ça. Maintenant, je rends hommage à quelqu'un que j'aime bien, qui n'a plus rien fait depuis 15 ans. Ça tombe bien parce qu'il commençait à faire un peu que de la merde. Mais il a fait quelques petites bonnes choses. Je vais vous parler des vrais enfoirés. Là, j'ai vraiment besoin de vous. La brancard, ce pays vaut plus rien. Pas d'idéologie, discours et baratin. Ils sont en train de noircir notre si belle histoire. Les rouges, les bleus, les bruns, y a vraiment plus d'espoir. On se sent recalé, la Belgique au chômage. Les prisons, les ghettos, les grèves et puis la rage. On a voté pour eux, putain de séparatistes. Demain, quelqu'un peut-être changera enfin de piste. Tout le monde, ta-la-ta-la. Cassé, c'est pas grave. Aujourd'hui, ils ont tous les droits, les enfoirés de la rue de la loi, dépassés et chacun pour soi. Ils attendent que ça pète ou quoi. On verra jamais le grand soir tant qu'il y a ces grévistes au pouvoir. Et tout ce sang et toutes ces peurs, goudron et plume pour les fossoyeurs. Aujourd'hui, ils ont tous les droits, les enfoirés de la rue de la loi. Autrefois on s'accrochait à autre chose qu'au diable pour nous faire vibrer, nous faire croire à la fable. On ne savait pas qu'en plus l'équipe était la cause de toutes leurs frustrations pour que ce pays implose. J'ai pas mauvaise conscience, moi je n'ai fait qu'élire. Mais pour tout dire, ça gâche franchement le goût de mes plaisirs. C'est pas vraiment notre faute s'il n'arrive à rien. Mais ça le deviendrait si c'est pas mieux demain. Tout le monde. Les enfoirés de la rue de la loi, dépassés et chacun pour soi. Ce que je donne à toi, je prends à toi. On verra jamais le grand soir tant qu'il y a ces grévistes au pouvoir. Et tout ce sang et toutes ces peurs, du vent et plume pour les fossoyeurs. Aujourd'hui, ils ont tous les droits, les enfoirés de la rue de la loi. Bon, je continue sur 5 cordes ou bien je me la fais Suarez et je change de guitare comme un pro que je suis. On va changer de guitare comme un pro que je suis. Ça va, ça prend 30 secondes. Merci infiniment. En plus, chance pour vous, l'autre sonne mieux. Donc, on a juste pas réglé. On est bon On est bon. T'as vu ça ou quoi? 32 secondes, comme un Francorchamps. Bon, ça tombe bien, c'est une facile. Mais là, c'est une chanson où j'ai vraiment besoin de vous. Je suis prof dans la vraie vie, on en discutera après. Il y a un truc qui me gave, mais c'est du foie gras pas bio, quoi. C'est l'ultra uber communication. Les élèves, ils savent plus rien faire sans leur téléphone, leur machin, leur bazar. Je crois que là, je deviens vieux, parce que ça me gave un peu. C'est une chanson qui parle pas du tout de ça, mais un peu quand même, en espèce de filigrane. Elle s'appelle « Georges est content », c'est ça l'essentiel. Il faut faire les chœurs à la place dans le couplet. Et je vais boire un coup d'eau d'abord. On y va. Prêt ou quoi? Ouais. Tellement à la pointe du progrès qu'il lit Tintin en numérique. Ouais. Tellement à la pointe du progrès qu'il arrive parfois qu'il s'y pique. Tout ce qu'il ne sait pas ne sert à rien, mais il a son home cinéma. C'est si bon de se sentir bien quand on rentre tout seul chez soi. Ah, ah. Y'a que ses marques à lui qui sont bien, et il parle en jargon technique.
entendu dire qu'il connaît rien, il te traite de préhistorique. Il a que des copains virtuels, à chacun son émoticône. Lui qui parle que sur MSN, il risque pas de se retrouver à faune. On y va quoi ? Georges est content, il a plus de matos qu'avant. Et il claque toute cette une à temps, oui, Georges est content. Georges est content, il a plus de matos qu'avant. Et il claque toute cette une à temps, oui, Georges est content. Passons toi à télécharger, mais en VO parce que c'est chi. Et dès que ça sort en DVD, il va les racheter chez Trafic. Bah oui, le son est en dessous de tout, et l'image faut pas en parler. Et puis, mais ça reste entre nous, monsieur, faites pas un mot d'anglais. Allez, le mal, le mal, le mal, le mal. Georges est content, il a plus de matos qu'avant. Et il claque toute cette thune à temps, oui, Georges est content. Georges est content, il a plus de matos qu'avant. Et il claque toute cette thune à temps, oui, Georges est content. Contrairement à tous ceux qui grondent, il adore surtout l'Amérique. C'est mis au poker comme tout le monde, y'a que des sous à chaque fois qu'il clique. En vrai obsédé du réseau, il s'enfile la téléphonie. Plus besoin de se taper les pornos, puis qu'ils partent tous avec wifi. Tout le monde. Écoutez-vous un peu, écoutez-vous un peu, c'est parti. Georges est content, il a plus de matos qu'avant. Et il n'a qu'une seule qui n'attend, mais Georges est content. Georges est content. Georges est content. Georges est con, mais qu'est-ce que Georges est content. Bon, après je parlerai un peu des trucs que j'ai fait plus récemment, mais avant que le récemment me rattrape et que forcément ben, j'écrive plus que sur ça, il y avait un thème qui était devenu une espèce d'obsession, et je crois que c'est le cas de pas mal de gens, parce qu'il y a toujours un truc qu'on comprend pas trop là au-dessus qui se passe. Ben, je proclame officiellement auprès de ma petite femme que c'est la dernière fois que je fais ce jeu de mots bidons. C'est une valse, j'ai mis un temps fou à la terminer, donc je peux vous dire que ma valse a mis le temps. C'était la dernière fois, j'en ai bien profité, je dois trouver mieux, je dois trouver mieux. En attendant, c'est une valse, ça s'appelle Ico et Tetnich, c'est parti. Dieu est fou, qui n'a plus vraiment l'Esprit Saint, à moins qu'il comprenne rien du tout, parce qu'on lui dit pas en latin. On dit même que Jésus-Christ a-t-il raté sa dernière scène. Peut-être trouve-t-il obscène, comment certains parlent pour lui. On voudrait que Dieu soit loué, mais il s'est simplement vendu. Tous les croyants qu'il a perdus ne sont que des fidèles castrés. On dit même que Budapest, qu'il fait plus fureur en Asie, et aux États-Unis, God bless tous ceux qui votent pas pour lui. Quelques remords à la question que je vais me poser. Mais dites-moi qui nous préviendrait s'il s'avérait que Dieu est mort. J'éprouve bien sûr quelques remords à la question que je vais me poser. Mais dites-moi qui nous préviendrait s'il s'avérait que Dieu est mort. Tout le monde. Aïe 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 aïe. Dieu est sur terre, que ses voies sont impénétrables. Mais quand on voit ce qu'il nous laisse faire, il est sûrement en heure de table. On le voit partout, à la télé, c'est le roi du tube catholique. Mais pour apparaître en public, il continue de se faire prier. What to do, what? J'éprouve bien sûr quelques remords à la question que je vais te poser. Mais dites-moi qui nous préviendrait s'il s'avérait que Dieu est mort. J'éprouve bien sûr quelques remords à la question que je vais te poser. Mais dites-moi qui nous préviendrait s'il s'avérait que Dieu est mort. Tout le monde, aïe, aïe, aïe. Encore une fois, que vous, ce sera pas si
On a envie de chanter, hein? On a envie de chanter, hein? Alors on va en faire une beaucoup plus légère, parce que finalement ça sert à rien finalement de se préoccuper de ça. Quand il y a eu le Brexit, ben, je suis un peu chroniqueur sur la première maintenant et de temps en temps j'y vais, j'aime bien parler de l'actu. Quand il y a eu le Brexit, j'étais un peu mal à l'aise parce que qui suis moi pour étaler mes compétences que j'ai pas sociologico-économico-politico. Par contre, l'Angleterre et moi on a un truc et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres ici. Et donc j'avais fait cette petite chanson-ci. Alors je ramais un peu pour trouver une musique avec mes trois accords scouts de Renaud sous en fait. Et donc j'ai finalement choisi un morceau qui va peut-être un peu marcher, un truc anglais qui va peut-être un peu marcher. Ça donne la 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 la. Les Sex Pistols, le Beugler, c'est l'anarchie de UK. Je comprends rien aux conséquences. De Bruyne a bien dit ce que j'en pense. Maintenant qu'ils ont décidé du split, ça m'a sauté aux yeux tout de suite. Sans ce qui vient de la perfide Albion, ce serait nos futures pour de bon. Imaginez Sir John Pepper, Mr. Bean et Harry Potter, Iron Maiden et Bill Lemmy, et puis putain David Bowie, les Kings, Adele et puis Churchill, les Rolling Stones et Benil, Funny Boy, les Trainspotting, James Bond et Monsieur Keating. Moi tout ce que j'aime bien l'Angleterre, à part bien sûr Madame Thatcher. Tout le monde, là. Shop Boys, Duran Duran, ok cela je suis leur seul fan. Depeche Mode, les Smiths et Amy, à écouter à l'heure du tea. Monty Pythons et les Spice Girls, ouais non d'accord pas les Spice Girls. Pink Floyd et Agatha Christie, David Beckham et les Didi, Léo Shakespeare, Oliver Twist, Elton John, Fleur et Oasis. Ils peuvent garder les Fish and Chips tant qu'à Matt Ness et Robert Smith. Il y aurait moins de Kevin sans Keegan. On parlera pas des hooligans, New Order et Massive Attack, et la beauté de l'Union Jack. Moi tout ce que j'aime bien d'Angleterre, à part bien sûr Madame Thatcher. Tout le monde quoi. On est assez d'accord que c'était un petit peu une Anus Horribilis, on peut même enlever un N tellement on l'a eu dans le cul. Et il y a eu entre autres parmi tous les sujets abordés, la première chanson avec laquelle je suis arrivé à la radio. Je vais pas me la péter avec la radio du tout, hein, mais je suis tellement content d'y être que j'ai envie d'en parler deux secondes. Et je savais pas trop par quoi commencer, puis je suis arrivé avec celle-là en me disant bah, comme ça je la joue à moi et puis on n'en parle plus. Malheureusement pour là, heureusement pour moi, mais absolument surtout malheureusement pour ça, on en parle encore plus aujourd'hui, rien ne s'est amélioré. Voici une chanson qui parle un peu de ça. Qu'en disent la télévision, ils ont mauvaise réputation. On en a peur comme d'Al-Qaïda et on raconte n'importe quoi. Ils ne font pourtant de tort à personne, entre ceux qui meurent et ceux qui abandonnent. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on trouve des migrants chez eux. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on trouve des migrants chez eux. Faut leur payer l'hôtel ou quoi. Merci Théo, la NDA. Tout ça vient bien sûr polluer le calme de nos nidouillés. Dans leur pays, les guerres, tout ça, cela ne nous regarde pas.
Ils ne font pourtant de tort à personne, mais c'est un scandale, ils ont un iPhone. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on trouve des migrants chez eux. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on trouve des migrants chez eux. Et l'on pense plein d'horreurs tout bas, ou sur Twitter, ça va de soi. Quand on croise un de ces malheureux, on donne des sous, on aide un peu, on soulage nos consciences grégaires, la larme à l'œil devant cette misère. Ils ne font pourtant de tort à personne, mais entendez donc les nazis, on quittonne. Car les braves gens n'aiment pas que l'on trouve des migrants chez eux. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on trouve des migrants chez eux. Tout le monde ne se taira pas, c'est pas fini, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémy pour dîner ce qu'il leur est promis, à moins qu'il n'ait un bol de fou, ça va dégénérer d'un coup. Ils ne font pourtant de tort à personne, mais ils prennent la place et en gênent des tonnes. Car les braves gens n'aiment pas que l'on trouve des migrants chez eux. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on trouve des migrants chez eux. Beaucoup rêvent qu'on n'en parle plus, ce serait si simple, bien entendu. On parlait de 2016, un peu avant 2016, le 25 janvier 2009, si j'ai bonne mémoire, mais j'ai pas bonne mémoire du tout, il y a quelqu'un qui est parti, on avait tous l'impression d'avoir perdu un pote comme ça, un espèce de pote un peu ovni. Je vais pas me pencher sur le truc, mais je suis prof, j'en parlerai juste après, et même mes gamins, pour qui ma génération de vieux cons a parlé des Beatles, je passe pour un pleu, ben lui, il a tous les suffrages. Cette chanson s'appelle « Michael Jackson est mort ». De ses doigts gantés, je connaissais sa bio par cœur. Quand il a eu le crâne brûlé, je me suis tendu dans l'heure. J'ai plus jamais bu un Pepsi, d'ailleurs j'ai jamais aimé le goût. Et c'est à cet instant précis que Michael est devenu fou. Lui aussi marchait sur la lune pour que le monde entier l'acclame. Et le même jour, Farrah Fawcett nous a joué son drôle de drame. La génération MTV lui doit plus que ses clips d'enfer. Tout un Peter Pan de ma vie repose désormais 6 pieds sous terre. Vous êtes prêts ou quoi? Parce que c'est un refrain que j'adore. Et j'ai trop envie de vous l'entendre dire. Ça donne. One, two of you and can be Michael Jackson est mort, et puis quoi encore? Bon, Michael Jackson est mort, et puis quoi encore? Qu'est-ce que c'est beau, vous avez même pas idée comme c'est beau. Croire à l'opinion publique qu'il dort en question d'oxygène. Même ses fans les plus hystériques devaient dissimuler leur gêne. On disait qu'il referait Thriller sans avoir besoin de maquillage. Facile de cracher sur un mort, mais attention au saut de page. Lui qui se prenait pour Bambi ressemblait plutôt à Carabosse. Lui qui adorait les enfants sortait masqué avec ses gosses. Et quand sa sœur montrait son sein, une autre se les faisait refaire. C'était le rêve américain avec les coutures à l'envers. Michael Jackson est mort, et puis quoi encore? Bon, Michael Jackson est mort, et puis quoi encore? Bon, Michael Jackson est mort, et puis quoi encore? Alors ma petite femme en a marre que je la chante, celle que je vais vous faire maintenant, parce que c'est une chanson un peu tristoune et un peu cruelle comme ça, et puis je vous explique pourquoi je la fais. Je suis prof dans la vraie vie, je suis prof dans le secondaire de néerlandais, partez pas, tout se passait bien. Je dis ça parce qu'en Belgique on ne vit pas de la musique, à part Suarez, mais c'est pas de la musique, mais ça je le dis chaque fois et je le pense de plus en plus. Et je dis ça parce que donc, au début de l'année, pour faire connaissance avec les gamins,
je leur demande en néerlandais pour un peu apprendre à les connaître, de qui les parents dans la classe sont-ils divorcés? Quand j'ai commencé à faire ce petit métier il y a une quinzaine d'années, j'avais juste un doigt, comme dans la cité de la peur. Et puis maintenant, j'en ai vraiment, vraiment, c'est vraiment de la vraie vérité de chez vrai gens, plutôt 12 sur 22 qui lèvent le doigt. C'est un peu les plus attachants parce qu'un peu abîmés, ils ont dû grandir un peu plus vite que les autres, ils sont un peu tiraillés, maman veut pas, mais papa veut bien. Et ça m'a inspiré cette petite chanson qui est pas fun, hein, mais voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui... J'accuse le colonel Moutarde dans le bureau avec le chandelier. À toi de jouer, mais cache tes cartes au lieu de regarder la télé. Tu crois que quand je viens ici, tout ce qu'il me faut c'est ma PSP. Tu ne connais même plus ma vie, alors arrête de l'insulter. Et ne me pose plus de questions sur le nouveau copain de ma mère. Si t'as envie de renouer avec, n'oublie plus son anniversaire. Et puis la fille que j'ai vue l'autre jour, elle aurait pu être ma sœur. Je sais que t'as besoin d'amour, essaye au moins de sauver l'honneur. Palala, 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 palala. Te moquer des plaques que je dois porter sur les dents. T'aurais pu répondre au message quand tu devais verser l'argent. Maman, on a pleuré l'autre jour, c'était ça ou bien les vacances. À propos, tu t'es bien marré, toi pendant 15 jours en Provence. Je sais que quand tu parles d'elle, tu dis la mère de mes enfants. Il faut être deux pour nous élever, mais tu n'as pas fait ton mi-temps. Toi qui cries partout qu'aujourd'hui, le plus heureux célibataire. T'as vu ta tranche dans le télé, que j'allais avoir un petit frère. Palala, 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 palala. Arrête de dire que quand je fais ça, je ressemble à mort à maman. Tu es le seul dans la bouche de qui? Je sais que c'est pas un compliment. Si je pouvais t'acheter sur eBay, je n'augmenterais pas les enchères. Depuis que je dois vous partager, j'ai même pris la moitié d'un père. Merci infiniment. Alors j'ai des souvenirs ici de fou furieux avec cette chanson qui vient, qui clôt un peu, si on était dans l'ère du vinyle, enfin on y est tout le temps, mais ce serait un peu le troisième track du maxi, un peu tristoun que je voulais vous montrer. Elle s'appelle Le jour du chien. Et bizarrement, c'est une chanson un peu écolo-bobo, comme ça, bio, là c'est mot. Mais j'ai rien changé au texte parce que je trouve que, à part qu'il y a un protagoniste qui est décédé depuis et un roi qui a changé, vous allez voir, c'est malheureusement, il n'y a encore pas grand-chose qui a bougé. Or, on espère toujours qu'il y ait des trucs qui vont bouger, évidemment. Oui, je vais retravailler mes intros, promis juré. L'homme avec un grand H ne mérite plus sa majuscule. Il régresse tellement vite qu'il fait les 12 travaux de recul. Pas besoin d'aller bien loin pour en mesurer tout l'impact. Et on s'étonne que les martiens hésitent à entrer en contact. On lit pour rigoler un coup les faits d'hiver, même en été. Mais si c'est arrivé près de chez nous, alors on pleure pour être filmé. Les profs portent un gilet pare-balles, car on n'est jamais trop prudent. Tout ça leur a tellement fait mal qu'ils ne survivront qu'enseignants. Depuis qu'Al Gore a réveillé les bonnes consciences dans les chaumières, les fumeurs sont pestiférés comme s'ils avaient la grippe aviaire. Par contre, l'alcool est au pouvoir. Et grâce au journal d'RTL, un mauvais ersatz de Gainsbourg devint une star à DSL. Depuis que Philippe se prend pour l'élu et que Laurent est à la fourrière, le roi qui a jamais rien foutu a au moins du souci à se faire. La marée chaussée fait du zèle comme s'ils avaient été augmentés. C'est eux qu'on surnomme les poulets, mais c'est nous qui nous ont plumés. Je voulais juste en profiter pour rendre hommage aux policiers qui sont ici parce qu'on les trouve plutôt joviaux et plutôt bienveillants qu'autre chose. Et c'est pas de leur faute qu'ils doivent être là finalement, c'est à cause de tous les tarés, j'en parlerai juste après.
Y'a plus qu'en cas de pédophilie et d'un car qui se crache dans la neige, que la Flandre et la Wallonie comprennent que c'est le même sang qui sèche. Alors on fait des marches blanches et tous les drapeaux sont brandis. On pleure en silence les dimanches, tous ces gosses morts pour l'apathie. Les attentats suicides en plein milieu d'une plaine de jeu. Tout autour il y a le vide, et puis au centre il y a le feu. Même si le tueur est polonais, on accusera les musulmans, mais on ne tolérera jamais leurs propos anti-Occident. De tout le royaume animal, nous sommes la seule race inhumaine. Les dinosaures faisaient rien de mal, mais ils ont disparu quand même. Pourtant depuis que l'humanité se précipite vers le trou noir, pas besoin d'être un Bogdanov pour deviner la fin de l'histoire. Je sais pas s'il faut un refrain, et de toute façon je sais pas où le mettre. Je suis sûr que dans tous ces machins, il faut rien prendre au pied de la lettre. Faut sans doute ça pour nous faire peur, comme ils l'ont fait dans l'émission. Surtout ne changez rien à cette heure, ceci est sûrement une fiction. Voilà le moment que j'attends depuis 4 ans. 3, 3, 3, 3. Juste après, premier juré. J'en fais une dernière, parce que celle-là, j'y tiens à crever. Je vais absolument vous la faire maintenant. Après, on va un peu s'amuser, parce que je plains un peu le gars qui dit « Ah oui, tu vas voir, lui, il est écroulant. » Je vais aussi rendre hommage à mes sous-titrages vivants. Il y a plein de gens qui connaissent mieux les paroles que moi. Cette chanson-là, vous connaissez pas. Putain, c'était la ville des Smiths, de l'Hacienda où la nuit glisse, les soirées où tu crèves de mal, t'as dansé sur du chemical, ça sent les raccourcis clavier, la chasse aux scoops dans les JT, les commentaires nauséabonds, l'enfer pavé de sales intentions. Ça sent l'escalade pour bientôt. Je plains mon pote Ayoub dans le métro. Dès demain, ça va être pour lui. Mais t'es comme une saloperie. Avant, quand on parlait d'ici, c'était Manu et compagnie. Maintenant, en plus, le vieux James Bond pourra même plus venir sauver le monde. Comme lui, ce qu'on pense, il vaudrait mieux le garder rien que pour nos yeux. Au lieu de s'épancher sur Twitter, pourquoi pas de fouille avant le concert? Ah bon quoi, il fallait se méfier, ces gamins de 13 ans qui allaient, sans doute pour la toute première fois, chanter les refrains, hurler de joie. Ils ont hurlé, j'entends leur voix, ils ont fait trembler l'aréna, puis l'enculé, ses boulons, dans son enfer, il a l'air con. C'était la ville de mon Erasmus, ces moments dont tu te souviens le plus. Maintenant t'as juste envie de te taire et de danser comme à Manchester, ou bien de lancer des bulles en l'air. Merci infiniment. Je m'invite.
invité à Gosselies à une soirée méga branchée dans une ancienne boîte de PD. Camille se fait jolie, trouvant qu'elle était plus sortie que Cyber Café Média Plus. Elle est fabuleuse, elle, parce que dès que je dis une insulte, elle... Oh, je te promets qu'il n'y en a plus. Je te promets qu'il n'y en a plus. Dans une ancienne boîte de PD, je disais. De toute façon, PD, c'est pas une insulte, hein, ma chérie. Donc, Camille se maquille. John l'a invité à Gosselies à une soirée méga branchée dans une ancienne boîte de tout. Camille, c'était joli, vraiment qu'elle était plus sortie de Cybercafé Média Plus quand elle avait tué un virus. Camille est fin prête, elle est sûre que c'est un poète et qu'il lui fera oublier tous ceux qui l'entendent fait pleurer. Mais Camille s'est moustille, tout à l'heure à la pharmacie, elle a bredouillé mal à l'aise une boîte de Maxi Gouffres. Oh punaise, pas la pala, tout le monde. Camille est coquine, elle se pourlait chez les babines, car cette nuit, si tout va bien, ils vont se faire un royal câlin. Mais Camille s'impatiente, il devait l'appeler vers 7h30 ou envoyer un SMS pour encore lui rappeler l'adresse. Camille n'en peut plus, elle se souvient du nom de la rue, un petit coup d'œil sur le plan. Mais bon Dieu, ce qu'Internet était lent, lent. Camille se rapproche, son horoscope dans les poches lui a prévu une grosse surprise, deuxième à droite après l'église. Se pouponne sur le parking, elle déconne, elle veut qu'il la remarque tout de suite. Oh pardon, pardon ma chérie. Camille se pouponne sur le parking, il y a des tutes, elle veut qu'il la remarque tout de suite, être plus jolie que sur le site. Camille est entrée, 15 euros quand même l'enfoiré, elle scrute à... Ah, tu l'as pas spoté celui-là. 15 euros quand même l'enfoiré, elle scrute les visages dans le noir et finit par l'apercevoir. Et là, elle s'effondre, elle doute encore à cause des ombres, elle veut être sûre, elle fend la foule et tout son petit monde s'écroule. Voyez-vous, parce qu'il y avait une espèce de ska punk irlandais avant, donc ça blairouitch un peu, donc voilà. Camille se lamente, son Johnny sort avec une tente. Elle pensait pas que c'était possible que son amant se gourde de cible. Camille camisole et elle se rit sur la grande folle. La bave aux lèvres, elle va le tuer. Lui dit mais qu'est-ce que t'espérais. Et là, elle déraille, sa surprise aussi sera de taille. Elle sort son cul dans son sac et crève la hutte à son mordu. C'est l'avocat qui lui a dit que ça pouvait influencer le jury si elle mettait un peu de vernis. Camille adultère, elle a rien dit, elle est honteuse, faut jamais tomber amoureuse. Tu n'as pas liste de caractère, gras. Palapalala, palapalala, palapalala. Palapalala, palapalala, palapalala. Là aussi je vais retravailler mon intro, mais j'ai pas encore tout à fait trouvé exactement ce que je veux dire. Maintenant, je sais le message que je veux faire passer. On a dans nos vies des choses qu'on a fait quand on était plus jeune et qu'on a arrêté tout fier. Ça peut être la clope, ça peut être plein de trucs. Nous on a réussi à arrêter un truc et on commence à faire un peu de prosélytisme. On essaie de convaincre les gens qu'il faut arrêter parce que c'est moins bien que... Enfin, comment est-ce qu'on va dire? C'est mieux sans, la vie est meilleure sans. Bon, c'est une chanson qui parle un peu de ça, qui s'appelle J'aimerais trop. Je crois pas que je l'ai déjà joué ici, parce qu'en fait, depuis que je l'ai écrite, je n'étais plus revenu. Donc je suis trop fou de vous la jouer maintenant. C'est parti. J'aimerais trop être Jack Bauer, sauver le monde en 24 heures.
même s'il y a tant de trucs à régler. Ça va être chaud en une journée. J'aimerais trop être Harry Potter, faire de la magie à mes heures. La cape d'invisibilité, on en a déjà tous rêvé. J'aimerais trop être Homer Simpson, devenir une vraie bête de somme, connu sans jamais rien glander, comme la télé-réalité. Je voudrais trop faire Secret Story, enfin plus besoin de mon QI, ou sur les poteaux de Koh-Lanta, à condition que j'en meure pas. Je m'en réincarner en bouche, avec toute la merde qu'on touche. On serait pas trop dépaysé, y'en a assez à la télé. J'aimerais me réincarner en chien, mais j'ai des gens qui m'aimeraient bien. Ou même en cheval, voir si j'y gagne, ou si je termine en lasagne. J'aimerais trop être un zombie, être mort mais quand même être en vie, et faire peur à la race humaine, vu qu'il a un peu cherché quand même. J'aimerais trop être Dexter, envoyer les salauds en enfer, tuer du trou de mes propres mains, et qu'il agonise comme un chien. J'aimerais être Gabriel Solis, tenir le monde entre mes cuisses, ou mieux encore Super Jamie, entendre de moi tout ce qu'on dit. J'aimerais être toutes les femmes du monde, savoir en face que c'est qu'être blonde, vivre de l'autre côté de la glace, et me faire traiter de pétasse. Je vais me réincarner en bouche, avec toute la merde qu'on touche. On serait pas trop dépaysé, y'en a assez à la télé. J'aimerais réincarner en chien, mais j'ai des gens qui m'aimeraient bien. Ou même en cheval, voir si j'y gagne, ou si je termine en lasagne. J'aimerais réincarner en Dieu, parce qu'on a comme un contentieux, du genre est-ce qu'ils voient bien du ciel, qui font des fautes professionnelles. J'aimerais me réincarner en mioche, mais bien sûr les mains dans les poches, l'insouciance de toute une vie, avant que n'arrivent les tsunamis. Je veux pas me réincarner en mouche, avec toute la merde qu'on touche. On serait pas trop dépaysé, y'en a assez à la télé. J'aimerais me réincarner en chien, mais j'ai des gens qui m'aimeraient bien. Même en cheval, le voir si j'y gagne, ou si je termine en lasagne. J'ai essayé une chanson un peu difficile parce qu'elle est très dure à chanter, elle va très vite, mais j'adore ce morceau. Vous connaissez Old Elaf, la tristitude? Ben, je suis un peu parti sur le même principe, le petit Lego sur lequel on marche, et j'ai demandé que ça stoppe, vous voyez. Alors ça part de détails débiles, hein, des trucs qui sont pas graves du tout, et il n'y a aucune chronologie, il n'y a aucune gradation dans la gravité du drôle. C'est très laid à dire, ça, gradation dans la gravité, mais on disait. Et les deux premiers couplets que je vais faire, c'est un peu à la Renault, et les deux derniers, je vais un peu plus crier. L'essentiel pour vous, c'est que le refrain, c'est... Je dédie ça aux gens qui ont des t-shirts Nirvana, Bern, tu vas comprendre pourquoi. Ah ben voilà, vous allez comprendre pourquoi. Le refrain, c'est... Alors pour faciliter la compréhension, je vais presque la faire a cappella. Et le refrain, j'attaque quoi, ça vous va? Parce que ça va très vite. Et de toute façon, après, j'en fais une a cappella dédiée à tous les fous qui étaient là à la boulangerie à 1h du matin. Parce qu'elle a cartonné, c'était trop bien. Mais donc, voilà, celle-ci, je la fais. Donc, je vais faire une rythmique à la Rastaman. Hein, voilà, c'est parti. Tous ceux qui disent, ok, je sors, la pub qui va toujours plus fort, la nouvelle dictature du sport, on tue parce que tu bouffes du porc, ces crétins qui tournent le dimanche, tous ces gens qui roulent comme des manches, une carte rouge au contrôle technique, et n'importe quel homme politique, Zemmour, la star de la nausée, tous les Le Pen, les Dieudonné, tous les travaux sur l'autoroute, les BM qui te coupent la route, les larmes des Nord à Malagré, ceux qui n'éteignent plus la télé, Mimi Mati, les enfoirés, les fuites lors du CE1D, stop. Au deuxième, vous m'aidez, hein. Deuxième couplet. Tous ces morts dont on se contrefou, ça s'est pas passé près de chez nous, mais on partagera sur Facebook pour pas trop passer pour des ploucs. Tous ces JT pour trisomiques, c'est des débiles, on vous explique. Si tu nages à contre-courant, tu risques ta vie à chaque tournant. C'est Blatter et le fric dans le foot, mais on a gagné rien à foutre. Les gens rivés sur leur iPhone, ceux qui se moquent de Renault à foutre.